Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est jeudi. C'est 18 novembre 2021. C'est un honneur, toujours un plaisir. Chaque fois, j'ai une chance pour moi capable avec nous. Je voulais dire merci à toutes les amis, à toutes les fanatiques, toutes les familles, quel que soit à côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media. Et je souhaite que nous puissions passer un bon petit moment ensemble. Jeudi, comme moi déjà dit, c'est 18 novembre. C'est bataille de Vertière. C'est jeudi que, en cette nuit, on sait que l'Africain nègre qui a décidé de mettre à disposition tout foyer avec tout ce qui est un qui est précieux à eux-mêmes. C'était la vie. Yo. Et vous êtes quoi? Si vous êtes unité ensemble, union ça, t'as pas créé une force. Et force ça, t'as pas baillé une opportunité pour détruire et éliminer esclavage sous tête yo avec tête frère et sœur yo. Et c'est ça qui a fait. Yo unis ensemble dans un seul objectif. Et yo bataille pour yo prendre liberté. Et yo te prendre liberté. Nous pourrons parler de ça un peu, mais avant même nous parler de bagaille ça, nous pourrons bon update de tout grand dossier qui a fait actualité en Haïti. Nous connaissons bagaille qui a passé sur l'assassinat de Jovenel Moïse, son gros cause écolier, en pile secret. Avec en pile l'autre bagaille, nous pourrons discuter dans le moment ça. Avant même que nous avancions, nous avons encouragé, autant pris, si c'était pour la première fois qu'on trouve, nous bien toujours regarder, nous n'avons jamais un membre, faire ça aujourd'hui, très facile. En bas, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, il y a un petit cloche. Cliquez sur cloche là, qui est une petite option qui apparaît, qui dit personnaliser ou bien tout. Mettez-le sous tout. Ou bien all. Afin que chaque fois nous venons, nous capable de connaître. Nous avons voulu remettre une vidéo, ça tout, très facile. Il y a un petit bouton sur mon pouce, cliquez sur l'icône là. Ça veut dire qu'on remet une vidéo, regardez là. C'est important pour nous. Après ça, faites commentaire. Faites connaître ça que vous pensez. Et finalement, partagez la chaîne avec les amis, les familles, les gens qui vous connaissent. Si vous pensez que y a bénéficié. On nous commencer. Eh bien, si nous voulons parler de l'assassinat de Jovenel Moïse, faut nous parler du gros bagage qui a passé là. C'est côté que yo kembe monsieur Samir Handal. Monsieur qu'on a allé en Turquie et communauté en Haïti a connu là autorité yo a fait ça qui est capable pour voir si capable mener monsieur back en Haïti pour la répondre question. Qui ça qu'elle connaît de Jovenel Moïse? Yann explique comment que M. Handal a vécu ici aux États-Unis, selon rapport qui sorti. Et nous songeons petite file tout, et bien rapport que papa n'a pas couru de rien. Papa était bien à l'aise, t'a vivre là, dans Miami, avec toute famille. Et il t'a fait tout le monde connaît qu'il t'a fait un voyage. Dans le Moyen-Orient. Il dit surprise du fait qu'il a arrêté papal. Pour qui ça? Parce que FBI était déjà connu côté papa. Et il n'y a pas de jambes well nécessaire pour arrêter. Et bien, bagay ça a créé un gros problème, une grosse discussion. Côté que, en pile haïtien, même moi-même, a dit que, qui ça a passé comme ça? Eh bien, voix de l'Amérique, tu posé autorité américaine aux questions pour demander. Qui s'est passé dans l'affaire Samir Handal? Eh bien, comme toujours, l'autorité américaine a déclaré que, même parole qu'il a toujours dit, c'est des IO pour participer et aider la communauté haïtienne à trouver une solution dans le bagage qui fait. Et il n'y a pas le travail, il y a toute participation yo, et ressources yo, pour capable aider à résoudre le problème. Ça. Et vous faites comprendre que si nous avons besoin de plus d'informations toujours, c'est pour nous demander FBI ou bien autorité haïtienne. Si nous voulons comprendre la réponse à ce que nous avons, ça veut dire pas une réponse. Si nous avons besoin de réponse, allons parler avec FBI, nous connaissons que FBI n'a pas bonne réponse du tout, ou bien allons parler avec autorité haïtienne. Qui est-ce qui est autorité haïtienne? Nous n'avons pas besoin de réponse. Ça veut dire, mesdames et messieurs, nous back côté NDI depuis avant hier, sans réponse
nous pas comprendre qui s'est passé là. Mais quand même, mais ça qui nous apprend. Nous apprenons que l'autorité haïtienne yo déjà pour aller voir une délégation de 3 officiers pour aller dans Turquie pour aller accompagner monsieur Samir Handal pour mener en Haïti pour aller répondre question. Ça veut dire il y a une possibilité dans quelques jours là haïtien capable ouais que monsieur Samir Handal retourne en Haïti pour aller répondre question et expliquer tout ça qu'elle connaît ou bien tout ça qu'elle pas connaît sous affaire ça. D'abord faut me dire nous que pendant que n'a parlé là c'est une accusation que lié tout monde qui est accusé nous doit considérer monde ça innocent jusqu'à ce que il prouve qu'il est coupable. Dans ce sens ça n'a traité qu'à ça avec monsieur Samir Handal comme un monde qui est accusé selon bagaille qui ont gagné. Selon l'évidence qui a gagné sofa, il a senti que monsieur lui-même, il a un pile bagaille, il est capable de contribuer pour tajer en lumière sous cause ça, cause de justice qu'il a cherché. Mais encore jusqu'à présent, c'est une accusation, il doit prouver que monsieur lui-même, il est vraiment impliqué dans le bagaille ça. Mais, selon ça qu'il connaît, eh bien, la caille monsieur, il y a un pile bagaille qui prouvait que monsieur Atlis, bagaille qu'il possédait, était impliqué dans l'assassinat. La Kaili, c'est là en pile qu'il a fait. Et la Kaili, c'est là qu'il a décimbé en pile des mounes, armes avec l'argent. Alors, petit li déjà déclaré, c'est pas. Il pas entré dans bagaille ça, seulement c'est business qu'il a gagné, il était loué Kaila en moun, donc moun a fait ça que le voulait. Ça, c'est une possibilité. Mais comme on dit, mesdames et messieurs, n'a pas suivi, n'a pas tant pour nous, qui côté bagay sa privé. Est-ce que vraiment par gen justice kap bay pour gros crime ça qui fait dans le pays d'Haïti? Si nous étions même toujours sous bagay assassinat Jovenel Moïse, gen Gilbert Dragon qui se yon qui nan prison et qui était aussi participé suspect dans l'assassinat Jovenel Moïse, eh bien, monsieur mouri. Monsieur mouri l'hôpital dans COVID-19. Donc, j'étais malade et il était attrapé COVID. Eh bien, vous connaissez. Jean, problème médical là en Haïti. Et non seulement ça, mais tout côté mon amour en COVID. Donc, monsieur lui-même, finalement, il rend dernier soupir et il mourit. Et même côté, à Dieu, nous connaissons que Pasteur Emmanuel Sanon lui-même, il n'est pas trop bien du tout. Santé, monsieur, pas bon. Donc, non seulement monsieur, il y a un pilote prisonnier qui est en prison en tout qui est malade. Donc, nous ne connaissons pas qui côté bagage ça peut arriver. Est-ce que tout le monde s'est parlé dans la prison? Mais quand même, nous faisons connaître que le monde s'est ressenti pas bon du tout. Pendant qu'il attend pour qu'il soit capable de juger. Donc, nous souhaitons que l'autorité haïtienne va faire tout ce qu'il est capable pour aider le monde à santé. Parce que en Haïti, quel que soit le côté que vous êtes dans le monde, si vous arrêtez, vous avez une responsabilité dans le pays et l'autorité. Pour avoir soin médical, parce que le droit humain ne peut pas accepter abus. Vous devez être capable de traiter chaque monde, quel que soit le monde, qui n'en met ou avec un peu de respect et dignité. Si nous avons fait un coup de pied dans la République dominicaine, nous connaissons la situation entre Haïti et la République dominicaine, bah, pas trop bon. Nous connaissons comment que le président pays, M. Luis Abinader, lui-même, est toujours poussé pour que Haïti soit capable de prendre bah, au sérieux. Afin que le pays n'est pas affecté de bagaille ça. Je parle de situation. Il est important vraiment pour que haïtien lui-même fasse ça que le capable pour contrôler la situation. Mais même côté, nous connaissons que grand pile bagaille qui est fait en parlant de la République dominicaine, qui n'est pas normal, parce que selon la loi internationale, ou pas capable de traiter le monde de votre genre. Et bien, nous avons un ancien président du pays de la République dominicaine, non? C'est M. Leonel Fernandez. Et bien, monsieur, personnellement lui-même, il était fait en déclaration hier sous situation traitement que pays dominicain y a fait haïtien passé et surtout bagay qui a rapport avec expulsion des femmes enceintes qui a metté dehors l'hôpital. Et bien monsieur qui est ancien président pays République dominicaine, il déclarait que République dominicaine de respecter droit humain. Il sentit que traitement ça yo pas normal. Donc, malgré qu'il y a une situation, qu'il y a un problème,
Mais vous devez faire attention pour ne pas abuser des droits humains. Parce que il y a une loi internationale que les pays ont, vous devez obéir en bas même. Pas aucune raison pour vous voyez les gens qui sont malades à l'hôpital, en parlant des femmes enceintes, pour vous expulser ou sortir de l'hôpital. Ça, lui-même, n'est pas normal, c'est un crime, et l'État demande pour que le président pays, qui c'est Luis Abinader, pour ta réponse à l'action qu'il apprend et gens qu'il a agi envers Haïtiens. Donc, nous souhaitons que le président pays, M. Luis Abinader, t'attendait, ancien président, parce que c'est un président qui passait deux termes sous pouvoir dans le pays dominicain, en parlant de M. Fernandez, dans le sens ça, je crois que il était bon pour que Luis Atlis tendait qui ça que l'ancien président dit. Nous-mêmes, personnellement, nous ne croyons pas que le pays ça de nous en rien. Mais même côté à tout, il y a ça qui relie une loi internationale qui mande qui gens pour traiter réfugiés et monde qui immigrant la caillou. Dans ce sens ça, vous devez faire attention pour que vous pas violer loi ça. Nous allons retourner en Haïti, mesdames et messieurs. Parce que, comme on dit aujourd'hui là, c'est 18 novembre, c'est la bataille de Vertières, c'est aujourd'hui là que la grosse bataille était faite pour te prendre liberté en Haïti. Côté que esclavio te bataille pour te capable retirer tête yo en bas domination blanc français. C'est un bagage vraiment qui triste. L'on a considéré situation esclave en Haïti. Et condition peuple haïtien aujourd'hui là. Condition nous. Yo tout bagage ça yo gien un rapport pour avec esclaves en Haïti. Nous passons environ 287 années à souffrir en bas esclavage. 287 années. Et bataille de Vertières, c'est un jour vraiment qui marquait une liberté extraordinaire. Une victoire extraordinaire. Dans le moment ça, Haïti est devenu première république noire dans le monde. Dans le monde. Et deuxième pays qui prend liberté après les États-Unis. C'est gros bagaille. Mais, comment bagaille ça a commencé? Premier groupe africain qui entre en Haïti. Il entre en Haïti en 1517. 15 000 total. 1517. Si vous êtes capable de comprendre, de 1517 à 1804. Atlis 1803, c'est la bataille de Vertières, 18 novembre. N'a pas souffri. Haïti, c'est lui-même qui a gagné esclavage plus brutal, passé tout l'autre côté. Vous capable de chercher. Pas un côté qui a gagné esclave, qui a recevoir plus mauvais traitement que Haïti. Et si tellement yo maltraité et touillé esclaves, chaque année 40 000 esclaves t'as supposé importer sur en Afrique entre en Haïti. Chaque année 40 000 esclaves. Nous avons dit que en 1517, premier groupe 15 000 esclaves entre en Haïti. Ils sont entrés en Haïti, ils ont commencé avec Bartolomé de las Casas. Ils ont prêtres, ils ont chrétiens, ils ont bishop qui décidaient pour encourager les Espagnols pour aller chercher esclaves pour venir remplacer ou bien troquer avec les Indiens. Et ils commençaient à importer
esclaves de l'Afrique pour vivre en Amérique. Je te fais connaître que retirez-nous dans le pays Afrique pour mener ici, c'est une gloire que lui. C'est ça même qui est bon de te vle. Nous sommes barbariques, nous ne pas connaître Dieu, nous avons adoré idole. Religion nous en son religion satanique qu'il teye. Dans ce sens, la seule façon pour nous capables de vivre moderne ou bien jouer un bon Dieu, c'est convertir en christianité. Et c'est ainsi au prendre dans le pays. Bon, nous une nouvelle religion. Changer de nom, nous, bon, l'autre nom. Bon, nous, l'autre culture. En babaton, oui. Et forcer à accepter Dieu, la religion, tout bagaille qui est là, il dit c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on doit suivre. Parce que c'est nous-mêmes qui connaissons ça bon. C'est volonté bon Dieu qu'il y a. Et depuis le ça, esclave psychologique là, esclave mental là, il commence. années dans esclave physique. Plus 218, parce que aujourd'hui là, ça fait 218 années de bataille de Vétière côté que nous prenons liberté, right? Non, songez bien. D'où que esclavage mental là pas jamais cessé là aujourd'hui là pendant ma parole là qu'on y a là. Il a pire red. Ça veut dire que nous avons additionné 287 plus 218. Ça a montré combien d'années que nous passons, que nous toujours en bas l'esclavage mental. Et ça qui vient arriver, l'esclavage mental, là, c'est tellement profond qu'on y a là, nous-mêmes, comme Haïtiens, n'a poussé l'esclavage mental là. Et je ne sais pas comment nous pouvons éliminer. Qui est nous pouvons liberté en bas? Esclavage physique fini. Après la bataille de Vétière, nous avons un drapeau qui paraît en 1804. Et qu'on y a là, nous entrer dans l'esclavage moderne qui toujours là, je dis là, dans plusieurs formes. Et pendant ce temps, même côté à tout, esclavage mental là, lui-même, il est toujours là. Il est toujours là. Il faut railler tout ça qu'on y est. Et ceci est tellement vrai, yon nan bagay qui yon entré nan mentalité haïtienne. Yon fait le connaître que qui fait Haïti a souffri comme ça, c'est parce que l'ente pour liberté, c'est Jab qui te ban nou liberté. Avec dit que, après 287 années, yon prend bâton, yon maltraité, yon touye ou, yon fait kadejak sou fi ou, yon fait kadejak sou garçon ou tout, yon fait toute qualité. Crime, qu'on pas quand même imaginer qu'un humain te fait l'autre humain. Après 287 années, vous levez un jour, vous unissez tête et vous bataillez, vous prenez liberté. Vous déclarez liberté, c'est Satan qui te bat. Ça veut dire que après 287 années, Satan est pitié pour nous et Satan va nous liberté. Et qu'on y a là, parce que Satan est pitié pour nous, il va nous liberté, selon ça qu'il dit. Bon Dieu fâché. Et qu'on a là, la puni nous pour liberté ça. Ça, c'est croyance haïtienne, mesdames et messieurs. Et ça m'a dit comme ça que l'esclavage mental, là, ou pas qu'à retirer dans la tête de l'homme, c'est difficile. Moi, j'entends haïtien avec propre bouche paille qui dit comme ça que le problème haïti gagné, c'est liberté qui nous prend en 1804. C'est vaudou qui te prend nos liberté. Dans ce sens, ça, bon Dieu. A toujours pini nous pas avant que nous pas retourner back pour nous convertir dans christianité bien gens que nous a supposé faire là. Ça c'est croyance haïtien. Et lorsque me dit nous que esclave mental la pape capable sortir si pas hasard
pas une conversion mentale qui fait. Mesdames et messieurs, c'est pas une bataille que nous besoin fait. N'a parlé de bataille de Vertière, hein, bataille mentale là. Si on bataille, on pas connaît comment on boit le verset en balle. Réputation haïtienne. Idéologie haïtienne, les gens que le penser est difficile. Yo converti ou bien et yo assuré yo que ou rete comme ça ou pas ka changer. Pi gros crime que yo fait nous, c'est côté que yo empêché nous éduquer tête pas nous. Éducation yo prend la main, ou pas ka li. Même la Bible que yo dit c'est bon, c'est parole bon Dieu qui lit. Nous pas ka li. Yo pas de commande, pas de bon droit pour nous lire la Bible. Yo bon on parti la dan pour nous lire qui te rele Negro Bible. Mais ça qui rele paroles là qui eux même yo gagne. Nous même nous pas supposé lire parce qu'il n'est pas humain. Elle dit que 287 années de bâton pas suffit. Faut t'arrêter toujours à prendre bâton. Pour l'autre 400-500 années encore, jusqu'à ce que Dieu va dire, bon, c'est assez. Dans des Haïtiens qui croient que, selon la Bible, nous avons supposé passer 400 années dans l'esclavage. À cause des péchés qui nous ont fait. Bon Dieu, punis nous. Mettez-nous en esclavage. Et seule façon nous pourrons le délivrer, c'est lorsque la fin va arriver. Mesdames et messieurs, ça m'a dit nous là, c'est bagaille qui est croyance parmi le peuple noir qui a poussé l'agenda ça. Et c'est ça qui fait que nous décourager tellement, nous pas faire effort, nous pas voulons avancer parce que nous connaissons que nous pas pouvons sortir. Parce que dans la tête nous, dans l'idéologie nous connaissons que nous en bas une force qui est plus gros passé nous. Qui force? Force divine. Parce que c'est volonté qui fait pour nous rester dans l'état ça. Parce que nous-mêmes, nous pas sortis pour nous convertir, pour nous reconnaître péché nous, pour nous accepter, nous pas jamais sortis. Ça, c'est croyance. Majorité monde qui croit comme ça. Un monde qui croit comme ça. Qui compte au moins ces monde ça pour aller vraiment prendre en sérieux? Non. C'est pas faute lui. C'est pas faute lui. C'est parce que le pays a beaucoup converti. C'est pas faute li. Et moun yo même qui dans tête pays a, l'autre pays qui connaît vérité a, yo continue à encourager genre de conversion ça, conversion mentale ça. Yo continue à encourager. Parce que depuis qu'on quel y a dominé. Mais au même yo pas quel non? Et parce que c'est ça faut qu'on pas bon série des moun, y a fait tout zak qui existait, mais après chaud pour faire l'autre bagaille. Moi pose la question, pour qui ça y est même cap d'où fait là ou pas fait? Parce que y a pas quoi là dedans, y a qu'une vérité. Y a pas quoi là dedans. Mesdames et messieurs, nous souhaitons qu'un jour le Créateur. Et ça me dit avec un pile précision, le Créateur, il va ouvrir gêne pour nous ouais. L'homme pas de réponse pour vous. Autre jour, là, m'a regardé un bagaille, sans pas prendre trop de temps. En Haïti, il y a un côté que le lien coup. Il y a un bruit couru que il y a ressuscité un petit monde qui était mort depuis 3 jours. Alors, on connaît. 3 jours sont juste 3 jours sont barrés symboliques. Tout bagaille faut essayer de spiritualiser. Il y a un missionnaire qui allait, qui ont un petit monde mort entre petit monde, non? Après 3 jours, missionnaire allait, il dit que bon Dieu voyait, puis il a ressuscité petit monde, non?
Yo paraît vraiment l'église là là il crase cave, yo prend ti moun nan, y allé dans l'église avec lui puis al prier pour lui. Et peuple là quoi ça vraiment pour yo suivre. Après ça bricoui. Bon Dieu fait miracle et yo ressuscité yon ti moun qui était mort dans cave depuis 3 jours. C'est pas deux bagages qui fait peuple là qui tant croit si tellement. Gloire à Dieu, bon Dieu au puissant. C'est vous même seul qui capable. Bah j'aime dire hein, m'a calculé parce que me connais comment peut pas ici hein. Ou t'as dit ou t'as un bagage de ça bon, mon côté là, il y a quand même tiroche tout. So. Et bien qu'est-ce qui arrivé? Yo joine qu'on y a là que c'est pas vrai. Au contraire même autorité a arrêté missionnaire ça yo. Parce que Timon a commencé à se sentir. Parce qu'il mourit. Ou pas qu'il ressuscite un monde qui mourit. Ça va qu'à fait. Mais guess what? Malgré que autorité yo, yo vini, yo oué bagale, arrêté moun yo. Tout peuple, la population oué que moun n'a pas qu'à ressuscite, moun n'a moun ouvre la senti. Moun l'église yo, yo levé contre autorité yo, parce que yo arrêté missionnaire yo. Vous faites comprendre que c'est parce que nous ne pouvons pas reconnaître la puissance de bon Dieu. Nous devons comprendre ce qui m'a dit là. C'est de grâce que nous sommes lui-même liés. Comment on peut le faire combattre un bagage de ce genre? You can't. It's impossible. Haïti a un pile problème. Depuis que dans tête pays, jusqu'à ce que dans le dernier. Ce n'est pas deux groupes de bagailles qui doivent être faites, ce n'est pas deux éducations que tu as faites pour changer la mentalité. Ça. Et mesdames et messieurs, il y a des travails, il y a des éducations. Logique. Et éducation a changé. Si mon encore à l'école, là, prendre la fait logique, il commence, ouais, il a commencé avec l'autre idéologie. Mais il a commencé avec éducation. Je ne vais pas vérifier plus. Mais quand même, Gen plus toujours nous t'a parlé. Mais nous quitter pour rester pour l'autre. Non, moi c'est Abner Jolin pour Haitian Public Media. Passe une très bonne journée. Bon Dieu bénis. Bye bye.